Fanny Vaille, que je suis conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Péronne. J'accompagne les jeunes dans le cadre du dispositif Aspire, dans les ateliers, mais en entretien individuel également. Voilà, donc du début de programme jusqu'à la fin de leur accompagnement. On travaille vraiment avec les jeunes sur leurs émotions, leur personnalité. Et en fin de compte, c'est des ateliers qui sont riches et variés parce que la personnalité du jeune n'est pas la même, les problématiques sont complètement différentes. Et ça nous permet en atelier de rebondir justement, parce que bon, leur problématique centrale est à peu près, ils ont tous à peu près la même problématique, mais on travaille au cas par cas et les échanges dans le groupe sont différents. Donc c'est vrai que chaque journée est complètement différente, chaque mois est complètement différent. C'est ce qui est intéressant dans notre travail. Je m'appelle Jordan Attray, j'ai 24 ans. Ce qui m'a attiré dans le programme Aspire, c'est la remise en confiance en soi. Parce que je manquais de confiance en moi au niveau des entretiens et aussi je me dévalorisais beaucoup. Je m'appelle Laurie Bertrand, j'ai 19 ans et je recherche ma voie professionnelle. Alors, je m'appelle Gwenaël Bélanger, j'ai 21 ans. Je souhaite devenir éducateur de jeunes enfants et pour ça, il faut que je travaille ma confiance en soi. C'est pour ça que je suis entrée dans le programme Aspire. Grâce à Aspire, ma confiance en moi s'est beaucoup développée parce qu'avant, on va dire, je pouvais m'effacer, on va dire, quand je me prenais des remarques. Donc maintenant, je veux dire, je l'ouvre un peu plus. Alors, grâce à ce programme, j'ai pris conscience de quelques points positifs que j'avais. Alors, ce que je préfère le plus dans les ateliers, c'est le fait que je sois confortable pour parler, que j'ai pas peur et je ne stresse pas, que je sais que ce sont des personnes bienveillantes qui m'écoutent et que je ne veux pas me faire juger. Grâce à Aspire, oui, ma confiance s'est énormément développée. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en travaille encore parce que c'était un truc, c'était mon plus gros point à travailler, avec ça et le stress. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, elle a vachement évolué. C'est un bon programme et j'invite les jeunes à le faire, surtout ceux qui n'ont pas confiance en soi et qui ont du mal à gérer le stress, etc. En ce moment, je suis en train de créer mon association contre le harcèlement scolaire. C'est vraiment les entretiens individuels qui m'ont le plus plu, vu que c'est ce qui nous permettait de voir les erreurs qu'on faisait et les corriger pour s'améliorer. Par rapport à ça, oui, je ressens une progression, parce que déjà, je bégaye beaucoup moins en parlant aux autres. Et aussi, quand je reparle de mon parcours professionnel et de mes diplômes, je ne dévalorise pas les métiers que j'ai pu faire avant. Donc, il y a quand même une bonne marge de progression. Dans la cuisine, ouais, quand je fais à manger ou quoi, ça a vachement changé. Comme on a eu le programme sur l'alimentation, ça a vachement changé. Je mange plus de légumes que je mangeais avant et franchement, ça fait du bien. Et dans les courses, ouais, je fais plus attention à selon ce que j'ai, enfin, avec ce que j'achète ou autre. Et c'est super. Aspire en un mot, je dirais confiance en soi. Un changement. Du soutien et de la confiance.